Salut! Ok, Tabata. 4 exercices. Allez, on y va. Premier exercice, la planche. Oui, c'est sur les avant-bras. Oui, les coudes sont alignés avec les épaules. Vous allez rentrer le ventre. Lèvez-vous jusque les genoux ou les orteils, votre choix, restez fixe. Attention le dos. Mais ne pas cambrer le dos, c'est pas bon. Aussi, je veux avoir les fesses en l'air, donc ça ne faut rester fixe comme ça. Très bien. Ok, deuxième exercice, crunch. Allongez-vous sur le dos. Gardez entre le ventre, on va lever les jambes, on va lever les épaules et les fesses. Oui, vous levez les épaules et les fesses de l'intérieur. Quand vous levez, expirez, aplatez le ventre, oui. Très bien. Ok, troisième, les bras. Sur les bras, on croit vers le côté, les paumes vers le plafond. On va serrer les genoux, on va serrer les pieds, on va contracter les abdominaux, oui. On va bouger les jambes, côté à côté. Bien contrôler le mouvement, oui. Concentrez-vous sur les muscles qui travaillent. Si vous les travaillez plus, vous pouvez lever les pieds. Voilà, mais attention au dos. Vous pouvez lever les deux, mais encore attention au dos. Contractez les muscles. Lever. Bien, dernier exercice, allongez-vous sur le ventre, serrez les abdos, oui, vous pouvez mettre les, vous pouvez mettre les mains là, et les baisser, ou comme ça, ou plus difficile comme ça. N'oubliez pas, serrez les abdos, respirez. Allez, on y va. La planche, allez, c'est parti. C'est la tête s'est alignée vers la colonne vertébrale. Contractez les abdominaux. Protégez le dos. Respirez. Bien, ok. Crunch, allongez-vous sur le dos. Tirez le nombril contre le dos. Et on y va. Quand vous levez, expirez. Très bien. Ok, la planche. Préparez-vous, contractez tous les muscles. Levez-vous. Respirez. Oui, baissez les genoux si vous avez mal au dos. Attention la tête, ça reste aligné vers la colonne vertébrale. Très bien. Ok, crunch. Allongez-vous sur le dos. Contractez les abdominaux et on y va. Levez, expirez, aplatez le ventre. Encore. Rentre le ventre. Levez-vous. On y va. Attention le dos. Vérifiez que vous avez bien serré les abdos et vous respirez. Ne pas cambrer le dos. Ok, crunch encore. Serrez les abdos, levez les jambes
et on y va. Bien. La planche. Décidez que c'est facile et après c'est facile. Voilà, levez-vous, respirez. On continue. Crunch. Se lavez-vous, expirez, aplatir le ventre. Bien. Et ne pas tirer la tête. Les mains sont là pour soutenir la tête, c'est tout. Ok, on continue. Hip roll. So, levez les jambes. Les genoux, les pieds sont serrés. Et bien, doucement baissez les genoux un côté puis l'autre. Vérifiez avec les bras que les mains sont vers le plafond. Les paumes sont vers le plafond. Respirez. Contrôlez le mouvement. C'est lent. Et allongez-vous sur le ventre et on va lever et baisser les épaules. Contractez les abdominaux et n'oubliez pas. Et doucement. Respirez. Si vous voulez travailler plus, levez les mains à côté de la tête. Ok, hip roll. Allongez-vous sur le dos. Très bien, genoux pliés, levez les jambes. Tirez le nombril contre le dos. Et on y va. Bougez les jambes doucement. Essayez de garder le même rythme avec les jambes pour tout le mouvement. Et respirez. Très bien, levez un pied si vous voulez travailler un peu plus. Mais attention le dos. So, les paumes sont vers le plafond. Les épaules restent fixes par terre. On continue. Très bien. Levez les épaules. Allongez-vous sur le ventre. Serrez les abdominaux. N'oubliez pas. Très bien. Levez, baissez les épaules. Contrôlez le mouvement. Hip roll, allongez-vous sur le dos. Allez, levez les jambes et on y va. Si vous voulez travailler plus, vous pouvez lever les deux pieds, mais attention parce que ça tire le dos. Je vais vérifier que vous pouvez bien contrôler le mouvement. Sinon, levez un pied ou simplement baissez les genoux un côté vers l'autre. Levez les épaules, allongez-vous sur le ventre, les mains le bas du dos ou à côté de la tête. Levez, baissez les épaules, très bien. Hip roll encore. Allongez-vous sur le dos. Très bien. Levez les jambes. Contractez les abdominaux et on y va. Respirez. Choisissez le bon niveau pour vous, le bon niveau pour votre dos. Dernière, allongez-vous sur le ventre, levez, baissez les épaules.
pour contracter les abdominaux et encore choisissez le bon niveau pour vous. Les mains sur le bas du dos, à côté de la tête, allongez en avant. Respirez, vous êtes presque là. Et voilà, bravo, très bien.